L'arrivée à Mogadiscio. Ici, trois clans se battent depuis 12 ans, à l'arme lourde, au corps à corps, pour le partage de la ville. La capitale est dévastée. Risque d'enlèvement, de meurtre. Impossible pour un occidental de circuler sans garde du corps. Ces hommes terrorisent la population par la violence, le racket, le kidnapping. Les enfants qui vivent ici n'ont connu que la guerre. Ils ne peuvent pas comprendre que dans ce quartier avant, nous pouvions nous respecter, nous aimer. Nous sommes les otages, les esclaves des trois clans qui terrorisent Mogadiscio. Les chefs de guerre utilisent les minorités ignorantes pour combattre. Et il règne ici une telle anarchie qu'au sein d'un même clan, les hommes en arrivent à s'entretuer. Pour n'importe quoi, mais surtout pour leur drogue. Quand on n'a pas de 4, on se bat pour aller en chercher. 4. Qu'est-ce que le 4? C'est quelque chose que l'on prend après le déjeuner, l'après-midi. C'est pour les miliciens? Oui, c'est pour les miliciens. C'est un rituel. Les combats cessent tous les jours vers 15h. L'heure de la mastication du cat, cette plante hallucinogène. D'abord les miliciens entrent en léthargie. Puis, dans quelques heures, viendra l'excitation, la folie. Quand je prends du cat, je deviens fort, riche, et personne ne peut m'atteindre. Si je n'en trouve pas en quantité suffisante, je tombe malade, j'ai mal à la tête. Si j'en manque, je deviens complètement fou, complètement incontrôlable. Tout est organisé, contrôlé par les chefs de guerre, la dépendance et le trafic. Un trafic qui nous emmène dans un pays voisin, le Kenya. À 400 km de Nairobi, le climat est propice. Les plantations appartiennent aux Kenyans. Ici, une botte de 4 est achetée un quart de dollar. Elle sera revendue 20 fois plus chère à Mogadiscio par les chefs de guerre. Le soir venu, il faut faire vite. La sève du 4 garde ses vertus hallucinogènes pendant 36 heures. Ce sont les chefs de guerre qui organisent aussi le pont aérien grâce à l'argent du trafic. 9h du matin, aéroport de Mogadiscio. Chaque jour, une dizaine d'avions livrent leur cargaison de cash. La caméra n'est jamais bien vue. 11h du matin, le cat est sur les étals des marchés de Mogadiscio. La population aussi cherche à s'étourdir avec cette drogue. Une vente sous étroite surveillance des miliciens. Tous les jours, nous avons affaire aux miliciens qui nous dépouillent. Il s'agit d'un racket organisé. Toute marchandise vendue sur le marché est taxée. Le cat n'y échappe pas. La nuit tombe et les tirs commencent. Ces combattants reviennent d'une ligne de front, d'autres vont y partir. C'est complètement fou, il y a trop de haine. Tout le monde se bat, c'est odieux. Ça devient un jeu. Le jeu mortel des chefs de guerre. L'argent du cat leur sert à acheter des armes, les armes de la guerre civile. Aujourd'hui, rien ni personne ne semble pouvoir arrêter ce cycle infernal. Thank you.